Tenue traditionnelle, concours culinaire, danse, prestations artistiques, grand show, génie en herbe, bienvenue au Kita 4. Avant que tout ceci ait lieu, il y a eu des actions civiques qui ont été menées, comme celle de la journée de la salubrité, que vous allez voir maintenant. Un râteau, une daba, des gants. Eh non, je ne suis pas en train d'aller au champ, nous sommes plutôt là à l'occasion de la journée salubrité du Kita. Ce qui me plaît, c'est que dans cette action-là, il y a aussi des jolies filles comme ça. Attends, qui a poulé là? C'est le chat du village même bien là. Ah, mais ça doit gâter le coin avant que tu commences. Sauvez-nous. C'est le début du Kita. On ne peut pas venir dans une commune sans faire le nettoyage de barrières. Et c'est très important pour nous de contribuer aussi à cet acte civique là. Est-ce que le Boubalada fait ça en général? Bon, à la maison, souvent on fait dans un petit foyer. Tu nettoies la maison des fois où madame reste couchée, puis tu gères le moment. Il y a gâté, on fait comment? C'est quoi? C'est une fouchette? Ça sert à quoi? Ah, ça sert à manger? Attends, je vais voir si c'est vrai ce qu'elle a dit. Les membres du jury là, ils savent pas faire. C'est pas mal, hein? Viens, on les jaloux là! Ça pour le boulot! Effectivement, ça sert à manger. Ado, tu vas où habiller comme ça? Tenue de genoux, ta gamme de village. Ce sont c'est pour tous mes gars d'Institut Fama. Que je bénisse Ibrahim Fama. C'était super. Ouais. Franchement, le brassage culturel est en rendez-vous, disons. Et quand même, hein. Oui. Et là, t'es habillé en quoi là? En pagne baoulé avec, bon, comment le dire, la yeke. I don't know how to call it. Je sais pas comment l'appeler, mais pas une baoulée. Ado, tu vas où habiller comme ça même? Kita. Tenue de genoux, ta gamme de village. Faisons c'est pour tous mes gars, UNS Fama. Kita. Que Dieu bénisse Ibrahim Fama. Kita. Baoulé. Kita. Attends. Il paraît qu'il y a une marque qui s'appelle Ebahi qui me cherchait. Pourquoi vous me cherchez? Bah déjà parce qu'on sait, hein, tu as la référence et tout. Ah ouais, référence, hein. Ouais. Hey, quel honneur. On a essayé de mettre en valeur les masques de Côte d'Ivoire, on a essayé de... Le masque là ressemble à Boris, hein. Ah ouais, et ouais. Ça, je te l'offre. Merci. C'est quoi, c'est du carton? Bien sûr. Il y a même la piscine. C'est du slime. Ah ouais, c'est quoi ça? Du slime. Du? Slime. 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 C'est bizarre comme texture. Ça se mange? Non. Vous êtes des sorciers. Ah. Je suis désolé.
bilan est positif. Quand tu vois cette belle foule là, quand tu vois toutes ces personnes là qui ont fait le déplacement, on se dit qu'il n'y a rien de plus beau de voir que tous ces enfants, ces fils et ces filles de Côte d'Ivoire, ils sont là pour pouvoir représenter cette belle culture ivoirienne qu'on a. On est là pour le show, hein. Donc tu dois faire quelque chose qui sait quelque part quand même pour nous faire plaisir. Mais bon, y a quand même. Oui, on y va. Et comment vous avez trouvé? C'était bien amusé. En tout cas, c'était du bon. Je tenais à dire merci à monsieur Ibrahim Fama Diabaté pour cette soirée. En tout cas, on a vraiment adoré. Tu sais te chercher, hein. Henri, toujours concentré. Il rate pas, il rate pas occasion. Aucune occasion. Tu veux les chanter, tu veux les chier, tu veux les. Même à la mort, il te prend une interview. Il y a 16 femmes qui ont réussi. Il faut aller dans mes challenges sur TikTok là. Il y a 130 000 femmes qui ont fait des vidéos. Tu as dit que tu as au moins 130% de chances d'avoir une femme là-bas. Non, c'est bizarre. C'est un peu de sécurité. Il y a Foyon ensemble. Sandjé, tu connais. Bonne soirée. Vrai. Non, il n'est pas vrai. Vrai. Fatigué depuis qu'elle en est ici. Ouais. Je suis heureuse qu'il t'ait fini ma maison. D'accord. Vas-y, va à la maison. Elle s'en va à la maison. Allons à la maison.